الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد شيخنا يتم السلام توم أوتو دي مانيفستاسيون كي مونت لا فيبلس لا فوا لا بيرسون et des moyens pour affermir la foi dans son cœur. On constate de plus en plus que les gens s'intéressent à la religion. On constate un éveil dans nos communautés, surtout chez les jeunes. Beaucoup s'intéressent à l'étude de la religion, à une réflexion profonde sur le sens de notre identité musulmane, au but de leur existence d'une manière générale. Beaucoup en sont arrivés à goûter à la douceur de la foi. Beaucoup sont allés jusqu'à tirer la conclusion à savoir que seul l'agrément d'Allah méritait d'être le but ultime de notre existence. Le prophète disait à cet effet, trois choses, si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la douceur de la foi. La première, c'est qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. La deuxième, c'est qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah. Et la troisième, c'est qu'il déteste se retourner à la mécréance après que qu'Allah l'en ait préservé, comme il déteste être jeté dans le fond de hadith de la prophète par Bukhari et Muslim. C'est pourquoi il est important de rappeler les moyens qui permettent de raffermir cette foi dans le cœur du croyant. Car le fait d'avoir savouré la connexion avec le Seigneur de l'univers, le fait d'avoir été assidu dans les actes d'adoration, le fait d'avoir renoncé au péché ne signifie pas qu'on sera dans cet état-là à vie. Et parce qu'en effet, nous le constatons, et nous le constatons, beaucoup après avoir goûté au délice de la foi, s'en sont retournés à leur état d'insouciance. Le prophète disait dans un hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, l'exemple du cœur est comme celui d'une plume que les vents font tomber dans un désert. Il dit aussi, vraiment le cœur du fils d'Adam est plus changeant qu'une marmite en impulsion. Le hadith est rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. Sachez que ce changement d'état, d'un état de croyance, de foi ferme, vers un état de foi ferme, ne s'opère pas du jour au lendemain. C'est un processus parfois long. Et Allah, de par son immense miséricorde, a établi des signes qui doivent alerter le croyant et lui montrer « Ah, ma foi est en train de baisser, je dois faire attention pour ne pas retourner à un état d'insouciance. » Le musulman qui constate en lui ces signes se doit de se ressaisir et vite pour ne pas sombrer dans les gouffres du péché. Parmi ces signes qui doivent alerter le croyant, il y a la non-perfection dans les actes d'adoration, le fait de ne pas s'efforcer à ne pas faire ces actes d'adoration. C'est quand la personne ne cherche plus à plaire à Allah en obéissant ses adorations. Ce qui l'intéresse, par exemple pour la prière, c'est juste « je l'ai accompli, c'est bon ». Mais il ne s'efforce pas à bien faire sa prière pour obtenir la satisfaction d'Allah. Alors qu'Allah avait dit dans le Coran « Wallahu yuhibbu al-muhsinin » Allah aime les bienfaiteurs, les bienfaisants. Et le prophète, pour nous définir c'est quoi l'ihsan, il dit dans le hadith de Jibril, l'ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Le hadith est rapporté par le musulman. Donc ça, c'est le premier signe qui doit alerter le musulman. Le deuxième signe qui doit alerter le musulman, c'est quand il ressent une paresse dans les actes d'adoration. Quand la personne remarque qu'il est devenu paresseux à accomplir les actes d'adoration qui étaient jadis très faciles pour lui, ceci doit l'alerter d'une faiblesse de sa foi. Allah parle des hypocrites dans le Coran en disant « Wa idha
qawmu ila sholati qawmu kusala. Et s'il se lève pour la prière, il se lève avec paresse. Cette paresse peut amener la personne à ne plus éprouver de remords pour l'adoration qu'il a manquée. Il peut arriver à ne plus éprouver en tout cas un souci parce qu'il a raté une prière, même si elle est obligatoire. Il ne s'efforce plus à conquérir dans la quête de la satisfaction d'Allah. Il ne s'efforce plus à faire des efforts pour s'accaparer des hasanats et il ne fait plus d'efforts pour des actes d'adoration pour lesquels le prophète a promis d'énormes récompenses, comme le fait d'assister à un enterrement de mort, la prière nocturne, la prière à la mosquée et la lecture du Coran. Il va jusqu'à délaisser ces actes d'adoration-là et il est paresseux quand il se met à accomplir les actes d'adoration qu'il s'efforce de faire. Allah a décrit ses bien-aimés serviteurs dans le Coran en disant, ce sont des gens, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ce sont des gens qui s'empressaient à faire le bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous dans la sourate An-Nisa, il dit qu'il y a aussi les prophètes. Donc le fait de concourir, le fait de s'efforcer à faire les bonnes actions fait partie des signes qui montrent que la foi de la personne est solide. Et le fait de ressentir la paresse dans les actes d'adoration est un signe qui montre que la foi s'affaiblit et que la personne doit se ressaisir. Autre signe qui montre que la personne doit faire attention à sa foi, c'est quand il constate qu'il tombe rapidement dans les péchés. Quand il constate qu'il lui est très facile de commettre un péché. Il y a des gens qui en sont arrivés à un moment où il leur suffit d'être seul pour commettre un péché, tellement le péché est facile. Sachez, chers frères et sœurs, que la foi a pour rôle de maintenir la personne dans la droiture, de l'empêcher de tomber dans les eaux sacrées d'Allah. Une fois que la foi ne parvient plus à jouer ce rôle-là, ça c'est un signe qui montre que la foi de la personne est en train de s'affaiblir. Celui qui constate cela doit obligatoirement se ressaisir, sinon il risque de prendre goût au péché, d'être addictif à ce péché-là, et au regard de Dieu, il peut aller jusqu'à ne pas avoir honte de divulguer ce péché-là. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est très 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 dangereux. Le fait d'arriver à ne plus avoir honte de divulguer ses péchés, on voit des gens de nos jours qui commettent un péché, ils sont dans une boîte de nuit, ils font n'importe quoi, et ils se filment et ils mettent ça en statut. Ils sont arrivés à un moment où le péché ne les dérange pas, mais même si les gens apprennent qu'ils sont en train de commettre des péchés, ça ne les gêne pas. Ceci fait que la personne qui est dans cette situation-là, elle risque de ne pas bénéficier du pardon d'Allah au jour de la rédaction. Le prophète a dit dans le hadith d'Abu Huraira, toute ma communauté sera pardonnée, sauf les moudjahirines. Toute ma communauté sera pardonnée, sauf les moudjahirines. Les gens lui demandèrent, c'est quoi les moudjahirines? Il dit, il fait partie de la moudjahara. Qu'un homme fasse quelque chose la nuit. Il fait quelque chose la nuit, personne n'est au courant. Puis le matin, alors qu'Allah l'a caché, alors qu'Allah l'a couvert, il se lève le matin et dit, un tel, hier j'ai fait telle chose et j'ai fait telle chose. Il vient à ses amis, il dit, les gars, hier, c'était autant. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors qu'Allah l'a couvert, personne n'était au courant. Et le prophète sallam dit, certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur, et le matin, il découvre que son Seigneur, il dévue ce que son Seigneur a caché, le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Ça donc, le fait d'en arriver là, c'est un niveau très dangereux. Et avant d'en arriver là, la personne doit recevoir, doit détecter les signes qui montrent qu'il est en train de s'habituer à un péché. C'est quand lui est facile de commettre un péché. Autre signe qui va alerter le musulman, c'est le fait d'être insensible quand quelqu'un d'autre commet un péché. C'est le fait de s'habituer au péché. Ça, c'est un signe qui montre que la foi de la personne est faible. Le prophète a dit, si un mal est commis sur terre, celui qui l'observe et qui le conteste sera comme celui qui en est éloigné. Et celui qui en est éloigné et qui l'approuve et qui le valide est comme celui qui a assisté. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et amplifié par Al-Bani. Autre signe qui montre que la foi de la personne s'affaiblit dans son cœur, c'est l'amour de l'ostentation, le désir de se faire voir, le désir que les autres nous complimentent pour des actes d'adoration qu'on a accomplis, alors que les actes d'adoration sont voués à l'origine, les actes d'adoration sont voués exclusivement à Allah. Si la personne ressent le désir de se faire complimenter dans ses actes d'adoration, ceci montre que sa foi est faible. Allah dit dans le Coran, malheur à ceux parmi les prieurs qui sont négligents à leur prière, et qui sont pleins de scandales.
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون. D'après Mahmoud ibn Labib, le prophète de l'Aïssa, Absalam a dit, c'est la petite association que je redoute le plus pour vous. Le petit polythéisme, c'est ça que je redoute le plus pour vous. On lui dit, c'est quoi la petite association? Il dit, c'est l'ostentation. C'est l'ostentation. C'est quand quelqu'un d'entre vous s'élève pour la prière, embellit sa prière juste parce que les gens le voient. Tu le vois, il est concentré, il est humilié, il est humble, juste parce qu'il sait que les gens le voient. C'est pourquoi, pour savoir si on est dans l'ostentation ou pas, il faut vérifier, il faut comparer nos prières en public par rapport à nos prières en secret. Si ce sont des prières identiques, dans ce cas, on n'est pas dans l'ostentation. Mais si on embellit nos prières plus en public qu'en privé, alors on risque d'être parmi ceux qui sont dans l'ostentation. Ce désir de se faire voir peut mener la personne jusqu'à réclamer des compliments pour des choses qu'il n'a pas accomplies. C'est ce qu'Allah a décrit dans la Sourate Al-Imran lorsqu'il dit « Ne pense pas que ceux-là qui exultent ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc qu'ils trouveront leur échappatoire au châtiment. Ils vont certainement brûler dans le châtiment ardent. » Ils sont arrivés à un moment où même des choses qu'ils n'ont pas faites, ils veulent que les gens les complimentent pour ces choses-là. Donc, sachez que le fait de désirer, c'est désirer que les gens remarquent vos conversions fait partie des choses qui montrent que la foi est en train de s'affaiblir et qu'il est temps de se ressaisir. Le fait de ne pas craindre les choses douteuses. Si la personne arrive à ne pas se demander si c'est interdit ou pas, lui, sa question, c'est est-ce que l'interdit est une petite interdiction ou une grande interdiction? C'est toujours ça sa question. Il n'a pas peur des petits péchés. Il les commet avec sans vergogne. Sachez que le prophète a dit dans le hadith, les choses licites sont claires et les choses illicites sont claires aussi. Et entre les deux, il y a des choses douteuses. Il y a des choses douteuses. Celui qui évite les choses douteuses a préservé son honneur et sa religion. Et celui qui commet ces choses douteuses-là risque de commettre les péchés. Comme le waqa fi shubahat, waqa fi haram. Il est semblable à un berger qui amène son troupeau à côté d'une clôture et qui fait perdre son troupeau à côté de cette clôture-là. Il n'y a pas de doute là-dessus, les bêtes risquent de tomber dans la clôture et tomber justement dans le champ qui est une zone sacrée. Le prophète A.S.A. dit, chaque roi a une zone sacrée et la zone sacrée d'Allah, c'est une chose qu'il a interdite à ses serviteurs. Donc le fait de rôder autour des interdits, ça c'est un signe qui montre que la personne, sa foi est en train de s'affaiblir dans son cœur. Le fait de mépriser les hasanats aussi, de sous-estimer les bonnes actions, le fait de ne pas ressentir le besoin ardent et toujours s'accaparer des bonnes actions fait partie des signes qui montrent que la foi de la personne est en train de baisser et la personne doit se ressaisir. D'après Abu Dawud, le prophète a dit « Ne méprisez rien des bonnes actions, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec ton visage souriant. » Même le fait de rencontrer ton frère avec ton visage souriant, c'est une bonne action, il ne faut pas la mépriser. Car la personne ne sait pas quelle bonne action le mènera à l'enfer. Personne ne sait quelle bonne action le mènera à l'enfer. Le prophète a en effet rapporté qu'un homme parmi ceux qui sont venus avant vous a été jugé. On n'y a pas trouvé d'acte de bien, si ce n'est qu'il avait retiré une branche avec des épines qui étaient sur le chemin et qui gênait les gens. A dit, c'est quelqu'un qui est jugé. On n'a vu aucune bonne action, sauf qu'un jour, il avait trouvé une branche épineuse sur le chemin et il l'a enlevée. Grâce à cette bonne action, Allah l'a pardonné et l'a fait entrer au paradis. Donc personne ne sait quelle bonne action le mènera au paradis et ceci nous doit pousser à ne pas négliger les bonnes actions, à ne pas sous-estimer les bonnes actions. Parmi les signes aussi qui montrent que la foi du musulman est faible et qu'il doit se rattraper, le fait de trop polémiquer, d'aimer les débats qui sont sans premier objectif, d'aimer la dispute. Si la personne constate cela en lui, il sache qu'il y a un problème et il doit se ressaisir. Le prophète dit, tout peuple qui s'égare après avoir suivi la guidance recevra la dispute. Boutul Djadal, on leur donnera à ce peuple-là la dispute. Ils ne feront que polémiquer dans la religion. Le prophète dit aussi dans un autre hadith, je garantis une demeure dans l'enceinte du paradis à quiconque délaisse la polémique, même s'il est dans son droit. Quiconque délaisse la polémique, même s'il est dans son droit, le prophète lui garantit une maison au paradis.
Autre chose qui doit alerter la personne, c'est l'exagération dans les préoccupations de soi-même. Celui qui constate l'une de ses caractéristiques se doit d'emprunter le chemin qui mène vers la revivification de sa foi, le fait de ramener sa foi à son meilleur état. La dernière caractéristique qu'on a citée, c'est quelqu'un qui ne s'occupe que de soi-même, de sa nourriture, de son habillement, ça, c'est pas interdit. Mais le fait d'accorder toute son attention à ça, c'est là où se situe le problème. Le musulman doit s'occuper de son apparence, mais aussi de son cœur. Donc, autant on fait des efforts pour avoir une bonne apparence, autant on doit s'efforcer aussi pour accorder de l'importance à la faiblesse de notre foi et justement recourir à des moyens qui vont renforcer cette foi-là dans notre cœur. Alhamdulillah, Allah a bien élucidé dans son Coran et les paroles du prophète Muhammad alayhi salam, tout ce qui permet aux croyants de rester constant dans sa foi. L'ensemble des choses à faire et des choses à abandonner pour se raffermir ont été élucidées. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مجيب من دعا وفاتح الباب لعبد مقرع ثم الصلاة والسلام تسرى على جل العالمين قدرا. لو جاء الله كلا قيل من سيدنا الله صلى الله عليه وسلم وكلا محمد sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui viendront sur Shabbat pour nous la rédemption. Après avoir décrit les aspects qui montrent que la foi de la personne est en train de chuter et que cette personne-là doit se ressaisir, le deuxième sermon va concerner les moyens qui permettent à la personne justement de se ressaisir et de fortifier sa foi une fois qu'il a constaté que sa foi est faible. Le premier de ces moyens, et sans doute le plus important, c'est le repentir sincère. C'est le fait de se repentir, mais d'une manière sincère. Le repentir est sans doute, comme on l'a dit, l'une des meilleures adorations et l'un des meilleurs moyens de se maintenir sur la droiture. Le prophète sallam a en effet dit, tous les fils d'Adam sont des fauteurs et les meilleurs parmi les fauteurs sont les repentants. Tous les fils d'Adam sont des fauteurs et les meilleurs parmi les fauteurs sont les repentants. Allah dit dans le Coran, dans la Sourate Furqan, lorsqu'il a cité trois grands péchés, c'est le fait d'adorer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah, le fait de tuer une âme sacrée et le fait de commettre la fornication. Après avoir cité ces trois péchés, il dit, celui qui les commet, je vais lui doubler le châtiment. Et juste après, il dit, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. فَأُولَٰئِكَ مُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. C'est un verset extraordinaire. Allah dit, sauf ceux qui se repentent, qui croient, se réforment et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là, non seulement Allah, il va effacer leurs péchés, mais il va transformer leurs péchés en bonnes actions. Vous imaginez, c'est-à-dire quelqu'un qui, pendant, je ne sais pas, 15 ans, 30 ans, il n'a fait que de mauvaises choses. S'il se repent d'un repentir sincère, Allah est capable de prendre toutes ces années de péché-là et les transformer en bonnes actions. Et les transformer en bonnes actions. C'est quelque chose d'extraordinaire qui montre la miséricorde et la largesse, l'immensité de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Allah dit aussi dans le Coran, dit aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru wa jami'a. Ceci est la première étape de la réforme. Une fois que la personne a constaté qu'il est en train de commettre des péchés, la première étape c'est de repentir. Car les péchés ne manquent pas. Et le fait de commettre un péché ne signifie pas qu'on a perdu complètement la foi. Le fait de commettre des interdits ne signifie pas que ça y est, on est sorti de l'islam, que ça y est, on est sorti de la droiture. Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal rapportent que le prophète alayhi salatu wasalam leur a dit un jour, ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui va l'effacer. C'est-à-dire, à chaque fois que tu commets une mauvaise action, commets une bonne action qui va l'effacer. Un jour, un homme est venu voir le prophète après la prière de l'homme. Il lui dit, ô messager d'Allah, j'étais avec une femme cette nuit, on a tout fait sauf l'acte charnel. J'ai été avec une femme étrangère. Et on a fait toutes les mauvaises choses sauf la charnelle. Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète lui demanda,
Est-ce que tu as prié Fajr avec nous? Il dit oui, j'ai prié Fajr avec vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Ça, c'est une règle à retenir. À chaque fois qu'on commet un péché, le musulman doit tout faire pour commettre une bonne action. Et ne pas tomber dans le piège que Shaitan tend beaucoup de gens. C'est après avoir commis un péché que Shaitan vient le voir et lui dit, toi là, pas la peine de te reconduire. C'est fini. Pas la peine d'aller même à la mosquée. Parce que si tu vas à la mosquée, de toute façon, tu vas suivre la mosquée avec ta sueur. Ça, c'est un piège. Une fois qu'on a commis un péché, c'est en ce moment qu'on doit se rendre à la mosquée, effectuer la prière, et cette prière sera chargée d'effacer le péché qu'on vient de commettre. Il ne faut jamais croire que le fait de commettre un péché signifie la fin pour la foi du musulman. Deuxième moyen qui permet à la personne de se raffermir et de fortifier sa foi, c'est le fait de lire le Coran. C'est le fait de lire le Coran. Le prophète Allah dit dans le Coran, le deuxième verset de la sourate Baqarah, il dit « Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin » C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pires. Allah dit aussi dans la sourate An-Nahl, verset 89, il dit au prophète, « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » Et nous avons fait descendre sur toi le livre pour qu'on expose explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. Donc on voit à travers ces versets que Allah dit que le guide pour les croyants, c'est quoi? C'est le Coran. Allah dit aussi dans la sourate An'am, verset 22, il dit « Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens et pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ?» Donc Allah décrit le Coran comme étant une lumière qui permet à la personne de revivre et de marcher parmi les gens avec la lumière d'Allah Jalla wa'ala. Le prophète a dit dans un hadith, j'ai laissé deux choses avec vous d'une lourde importance. Vous n'allez jamais vous égarer si vous vous cramponnez à ces choses-là. La première de ces choses, c'est le Coran et la deuxième, c'est sa sunna. Aujourd'hui, on voit des gens se plaindre de la faiblesse de leur foi. Et si tu leur demandes quelle est ta relation avec le Coran, ils te disent, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert le Coran. Ça fait des semaines, ça fait des mois. Et après, ils se plaignent de la faiblesse de la foi. C'est normal, il y a rien. La meilleure chose qui peut te permettre de fortifier ta foi, c'est la lecture du Coran. Une fois que tu as délaissé la lecture du Coran, ne viens pas te plaindre de la faiblesse de ta foi. C'est une conséquence logique. Le musulman doit avoir une relation aussi minime soit-elle avec le Coran, même si c'est une ligne par jour qu'il faut la respecter. Et on ne peut pas tolérer un musulman qui passe des mois sans lire le Coran et qui vient après se plaindre, je commets des péchés facilement. Parce que ta protection a été levée. Tu as délaissé ta protection, tu as délaissé la chose qui te permettait de te raffermir. C'est pourquoi le péché devient facile. Donc même si c'est une ligne que l'on lit dans le Coran, il faut être assuré à cette lecture d'une ligne par jour. Cette lecture assurée nous permet de fortifier notre foi et ça nous protège contre de mauvaises choses. Troisième moyen de se raffermir et de fortifier sa foi, c'est de multiplier les actes d'adoration. Multiplier les actes d'adoration. Allah dit dans la sourate Nisa, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, ou à chaque data vita, et cela aurait été plus, et cela leur aurait plus affermi dans la foi. Le fait d'accomplir les actes d'adoration, le fait de faire des prières, le fait de faire des aumônes, le fait de faire des jeûnes, ceci nous raffermit dans la foi davantage. Allah dit aussi dans le Coran, Man amila salihan, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant au mu'min, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً Celui-là, nous le ferons vivre une bonne vie. Et cette bonne vie, c'est la vie de sa croyance. La personne vit sa foi tout en étant sur la bonne voie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Cette partie est importante. Ça montre qu'Allah, il va le récompenser selon leur meilleur état. C'est-à-dire dans la vie de la personne, c'est sûr qu'il va traverser des moments où il était vraiment solide et des moments où il était vraiment fort. Mais tant qu'il se maintient surtout toujours sur la bonne voie, à cette personne-là, au jour de la résurrection, Allah ne va pas le récompenser selon la pire partie de sa vie. Il va le récompenser selon la meilleure partie de sa vie. Ce qui montre donc que quand on a l'occasion de faire de bonnes actions, il faut les multiplier et ne pas faire. Car on va se baser sur ton meilleur état pour te récompenser au jour de la résurrection. Parmi les choses qui
maintiennent la personne sur la bonne voie, il est à le fait d'éviter la tentation des femmes. Le prophète sallam a dit, je n'ai pas laissé derrière moi une tentation plus dangereuse aux hommes que la tentation des femmes. Il dit aussi dans un autre hadith, craignez ce bas monde et craignez les femmes, car la première tentation des enfants d'Israël se manifesta par les femmes. Le dernier moyen qu'on va citer dans ce sermon-là, qui permet à la personne de se raffermir sur la foi, le dernier moyen sont les invocations. Le fait de demander à Allah. Surtout quand on est jeune, il faut multiplier les du'as pour se maintenir sur la droiture. Chaque jour, chaque vendredi, nous lisons normalement la sourate Kaf, qui est la sourate 18 du Coran. Allah, la première histoire qu'il a racontée dans cette sourate-là, c'est l'histoire des jeunes qui sont allés se réfugier dans la caverne. Allah dit à propos de ces jeunes-là, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nous allons te raconter le récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en Allah et nous leur avons accordé les grands moyens de se diriger. Il dit aussi, ce sont des jeunes, quand ils se réfugièrent dans la caverne, ils firent une invocation. C'est quoi cette invocation? Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde, wa hayyib lana min amrina rashada, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. C'est Allah qui peut maintenir ton jeune sur la bonne voie. Allah dit à propos d'Ibrahim, wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl. Et nous avons certes accordé à Ibrahim sa droiture avant cela. Et dans la même sourate, Allah nous dit dans un passage qu'à l'époque, Ibrahim était un jeune. Le jeune, ce dont il a le plus besoin, c'est la droiture. C'est pourquoi il faut demander ça à Allah constamment. Le prophète lui-même, il ne cessait de demander à Allah de le raffermir sur la bonne voie. Parmi les invocations qu'il faisait, c'est Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui ne cesse de retourner les cœurs, raffermir mon cœur sur la bonne voie. Il disait aussi parmi les invocations, cette invocation, il la faisait matin et soir. Matin et soir, chaque jour. Il faisait cette invocation en disant Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghithu, aslih li sha'ni kullah. Voilà, Tatimou, il a aussi une porte d'Aïm. Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est parmi les noms d'Allah. C'est en ta miséricorde que je me réfugie. Accompli, parfait, toutes mes actions. Voilà, Tatimou, il a aussi une porte d'Aïm. Et ne me laisse pas à mon propre détriment, à mon propre chef, ne serait-ce que le temps d'un point de vue. Et il disait aussi, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Oh Allah, purifie mon âme. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la car tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Le prophète nous raconte qu'un jeune vient le voir un jour et lui dit, Ya Rasulallah, autorise-moi à commettre la fornication. C'est un jeune qui n'en pouvait plus. Il était vraiment dans les tentations et il dit, ô messager d'Allah, autorise-moi à commettre la fornication. Le prophète nous calmement lui dit, Oudnou, viens. Le gars vint et s'assit devant le prophète. Le prophète lui dit, est-ce que tu voudrais que quelqu'un le commette avec ta mère? Il dit, subhanallah, non, je ne veux pas. Il lui dit, est-ce que tu voudrais qu'on le commette avec ta sœur? Il dit, non, je ne veux pas. Avec ta tante? Il dit, je ne veux pas. Le prophète cite à plusieurs membres de sa famille et le jeune dit, je ne veux pas. Le prophète lui dit, la même manière que tu ne le souhaites pas aux membres de ta famille, les autres gens aussi ne le souhaitent pas aux membres de leur famille. Et le prophète mit sa main sur son cœur et lui dit, Allahumma fi dhamba. Pour Allah, pardonne-lui ses péchés. Purifie-lui son cœur et préserve sa chasteté. De nos jours, on n'a pas le prophète devant nous. On n'a pas, si on a ces problèmes-là, on n'a pas moyen d'aller au prophète Muhammad. Mais le Seigneur qui a envoyé Muhammad, il est toujours là. Celui qui est menacé par les tentations, celui qui sent que sa foi est ferme, de la même manière que ce gars-là est allé voir le prophète, cette personne doit aller voir le Seigneur de Muhammad, qui est Allah Jalla wa Ala, de lui dire, oh Allah, je suis ton serviteur. Je suis capable de rien, tu es capable de tout. Je suis faible et c'est toi qui peux m'accorder la force, raffermis-moi dans ma foi. Tu es témoin que je ne veux pas retourner à mon insouciance alors que tu m'as déjà guidé. Aide-moi à me raffermir dans ma foi et aide-moi à me raffermir dans ma guidée. Si la personne fait cette invocation de manière sincère, Allah exauce ses invocations et lui donnera les moyens de se raffermir sur la bonne voie. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت